Alors qu'elle joue actuellement son spectacle Valérie Damido s'expose au Théâtre du Marais, l'ancienne animatrice s'est confiée sur les remarques qu'on lui a faites sur son physique lorsqu'elle était dans l'émission DSCO sur M6. Des remarques dont elle se serait bien passée. Après avoir été nounou de la Star Academy, directrice de casting de Loft Story 2 et journaliste à la rédaction de Vie privée, Vie publique, Valérie Damido a mis ses talents de décoratrice et sa passion pour l'architecture d'intérieur et les travaux au service du public dans DSCO. En 2006, la chaîne M6 lance cette émission qui a pour but d'aider des familles à refaire la décoration intérieure de leur maison ou de leur appartement. J'adorais ce côté social, cette énergie commune au service de gens dans la merde, confie aujourd'hui l'animatrice dans les colonnes du Parisien, après avoir quitté d'elle-même l'émission en 2015. J'en ai pris plein la figure alors que le programme fait un carton, Valérie Damido, qui s'est essayée à la comédie dans Victoire Bonneau, passe également en prime time avec DSCO. Et si la bonne humeur est toujours au rendez-vous, en coulisses, l'animatrice admet en avoir pris plein la figure par rapport à son physique. Ce n'était pas rare à l'époque, en 2006, déplore-t-elle auprès de nos confrères, dans l'édition de ce samedi 29 avril. Dans son spectacle, l'animatrice, qui a déjà fait part de la grossophobie dont elle a été victime lors de ses passages à la télévision, rapporte notamment une question qu'on lui a un jour posée, « Ce n'est pas trop dur de faire des primes avec un physique de radio ?» Valérie Damido dénonce les diktats sur les femmes alors qu'elle s'est fixée pour objectif de perdre du poids, afin de se sentir en forme pour assurer son one woman show. Valérie Damido, qui a déjà eu recours à la chirurgie esthétique, explique que les remarques qu'elle recevait sur le tournage de DSCO étaient monnaie courante à l'époque. On refaisait des baraques en 8 jours mais on me demandait si ce n'était pas difficile d'être en surpoids à la télé, lance-t-elle dans les colonnes du Parisien, et d'ajouter, aujourd'hui, ils n'y ne pensent peut-être pas moins mais ne le disent plus. Cache dans son spectacle, l'animatrice revient aujourd'hui avec humour sur ce qu'elle a vécu, elle qui était considérée comme la petite grosse qui faisait des travaux. Si est-il là où tu vois la grossophobie, le harcèlement et les diktats sur les femmes. Aujourd'hui, on en parle un peu plus, mais quand j'ai démarré en télé, qu'est-ce ce que j'ai pris, assurait-elle dans une précédente interview. Article écrit en collaboration avec 6 médias. À lire aussi va maroufler, Valérie Damido s'amuse de la réaction de M6 quand elle a voulu jouer dans la série Victoire Bonneau.